J'aimerais que vous nous racontiez votre histoire un petit peu depuis le départ, c'est-à-dire comment vous en êtes arrivé à faire de la moto, comment vous en êtes arrivé à faire le tour du monde et comment vous en êtes arrivé à devenir une star internationale. Parce que ça, je ne le savais pas, mais hier soir, je l'ai appris. Alors, commençons par le commencement. Né le 22 mars 1944 à Paris, dans une famille bourgeoisement fauchée et protestante, élevée pour être une jeune fille parfaite comme il faut, quittant mes parents à 21 ans pour entrer dans la publicité, gagner ma vie. Et au bout de. En 1900, ça, j'ai dû commencer en 1965. Et en 1972, j'ai tout envoyé balader parce que ma vie ne me plaisait plus du tout, pour aller me promener sur des motos autour du monde. Voilà. Donc c'était, vous savez, les grandes crises 68ards, on vit comme des cons, il vaut mieux aller dans les Pyrénées pour élever des moutons. Vous voyez? Alors il y en avait qui partaient, effectivement. Le Larzac, c'est le Oui. Larzac. Alors moi, le Larzac, ça a été l'Afghanistan sur une Oui, moto. à chacun son Larzac. Voilà. La moto, eh bien, c'est parce que en mai 68, à Paris, il fallait que j'aille à pied de mon appartement que je louais jusqu'à la boîte où j'étais publicitaire et que ça ne m'intéressait pas du tout d'aller à pied et que je me suis acheté un 50 cm3 Honda parce que j'avais aucun permis de rien du tout et que je me suis dit que si la CGT recommençait à faire la grève, il m'aurait pas deux fois. Et donc c'était sympa d'être sur deux roues. Je veux dire que les 5 premières secondes, je me suis dit que j'ai fait la bêtise de ma vie, et la sixième, quelqu'un aurait regardé la moto un peu fort, je le tuais. C'était génial. Donc le premier voyage, je suis partie toute seule voir la Méditerranée sur mon 50 cm3, parce que je vous ai raconté hier soir. Tout ça à 60 à l'heure et 30 dans les côtes et 75 dans les descentes. J'ai passé le permis moto, je me suis acheté des motos, j'ai trouvé ça de plus en plus génial, et puis à un moment donné, me promener, l'espace, l'errance, écrire des livres, parce que de toute façon j'ai toujours voulu écrire, dès l'âge de 5 ans. Je m'étais dit que je serais écrivain et que je remonterais l'Amazone et puis que j'épouserais Burt Lancaster. Ah, Alors Burt Lancaster, ça qu'est-ce n'a que vous pas n'avez pas fait marché. dans le tas? On ne parle pas de fer, jeune homme, quand il s'agit de Burt Lancaster. Moi, ça n'a jamais été mon fantasme. Hein. Bah tant mieux, parce qu'on ne peut pas être deux sur la même affaire. Et donc j'ai eu cette chance absolue d'arriver à un moment où les filles pouvaient choisir leur vie et une partie du monde qui était fantastique était ouverte. Alors, j'avais pas le droit d'aller en URSS, dans tous les blocs soviétiques. J'ai essayé, hein, je voulais faire le voyage de Michel Strogoff. Et Ivanov, qui était l'attaché de presse de l'ambassade d'Allemagne, pardon, de Russie, m'a dit: pas possible. Pourquoi? Il n'y a pas route. Ben oui, mais enfin, il y a quand même le transsibérien, donc il y a une route de service. Ah oui, mais pas possible. Pourquoi? Il n'y a pas goudron. Je prends une Oural, c'est une bonne moto, ça passe partout. Pas possible. Pourquoi? Il y a des ours. Ah oui, alors là, j'ai pas pu aller en Russie à cause des ours. Alors je suis allée au Canada. Il y a des ours aussi. Absolument. Alors, c'est ça avec Anne France, c'est-à-dire que elle résume ça comme ça, hop, et donc à la fin j'étais au Canada, mais il s'est passé plein de choses entre. D'abord, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui n'allait pas dans cette vie pour avoir envie d'en sortir, dans la vie parisienne, dans la publicité Voilà, qui vous attendez quoi ou qu'est-ce que vous allez sortir? Attendez, vous vous réveillez, vous tombez amoureuse du plus beau garçon de la terre. Enfin, on est ensemble. Enfin, c'est grandiose. Et vous vous réveillez pendant qu'il dort parce que vous avez enfin trouvé l'accroche pour la campagne des petits biscuits machin. Franchement, est-ce que ça vaut la peine? Ça n'avait plus de sens, c'était absurde. Je sais pas, peut-être c'était votre muse. Le mec? Oui. Oh non, non. Non, c'est peut-être une source d'inspiration. Non, non, parce que c'est pas de l'inspiration. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans la publicité, vous qui êtes dans la communication, c'est répondre à 5 questions, quoi, pour qui, contre qui, quand, comment. On vous donne plein d'informations, il faut les synthétiser et vous allez réduire ça à une phrase de 7-8 mots maximum avec un visuel qui va faire que les gens vont acheter une voiture qui coûte extrêmement cher ou qui vont acheter un petit biscuit ou qui vont, etc. Vous voyez? Donc c'est tout un travail à la fois conscient et aussi inconscient.
On m'avait appris, si tu comprends pas, si tu n'arrives pas à trouver la solution, tu dors dessus. Et c'est vrai que on dort 2-3 nuits de suite sur un problème, et brusquement, le cerveau, pendant qu'on ne fait pas attention, établit des connexions auxquelles on ne pensait pas. Voilà. Bon, écoutez, non, j'ai pas envie de donner ma vie, finalement. Il y a un rapport avec le garçon, parce que finalement... Il y en avait, oui. D'accord, oui, mais j'en doutais pas. Mais c'était le plus beau garçon du monde. En partant, vous laissiez le plus beau garçon du monde, oui, hein, oui, mais entre-temps, il en avait trouvé une autre. Ah, voilà. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est une raison plus... Non. Non. Non, non. Non, c'est que vraiment, gagner sa vie, en ce qui me concernait à cette époque-là, uniquement pour gagner un peu plus d'argent et ne pas être complètement heureuse, ça n'avait pas de sens. Et j'avais décidé que je vivais pour le bonheur. Et à partir du moment où je n'ai plus un bonheur complet, 11 mois de l'année quand je travaille, et un bonheur magnifique le 12e mois quand je monte sur ma moto et que je vais me promener, c'est que je vais foutre en l'air les 11 parties de ma vie pour simplement me régaler d'un 12e. Ça ne va pas. Sur les milliards d'années, j'ai quelques années toutes petites, petites. Je veux le meilleur, surtout que je suis dans un pays où on mange 3 fois par jour, où je suis protégée, où je peux vivre pour le bonheur et pas pour la survie. Donc voilà, c'était peut-être un choix de petite fille riche, mais qu'est-ce que j'étais heureuse. Non, en fait, le choix n'est pas facile, pour autant. Si, qu'on soit riche ou pas riche... Quand on ne peut plus, c'est facile de s'en aller quand on ne peut plus. Mais ce n'était pas une question financière, c'était une question de tempérament. Ah oui, c'était une question de qu'est-ce que je fais de moi. Qu'est-ce que je fais de moi? Et donc, la première décision, donc après ces vacances en 50 cm cubes, c'est de partir beaucoup plus loin. C'est déjà de passer le permis moto. Ouais. Parce que je n'avais pas de permis voiture, je n'avais rien. Donc, j'ai eu le permis moto. Comment ça s'est passé? C'était impressionnant. J'avais un bon copain qui était journaliste de moto. Et donc, moi, je passais en auditeur libre, vous voyez, sans auto-école. Et donc, je prends rendez-vous pour passer ce permis. Et il vient avec une moto. Il vient avec une moto et normalement, j'aurais dû passer le permis là-dessus. Donc, on déjeune avant et on se descend une bouteille de rosé. Ce qui fait que j'étais de bonne humeur. J'arrive devant l'inspecteur qui m'attendait au coin d'une rue. C'était du côté du 13e arrondissement. Et qui me dit, démarrez la moto. Je mets le pied sur le kick et elle fait pchouf et elle meurt. Alors, j'étais bien ennuyée, il me dit, trouvez-en une autre. Comment ça, elle meurt? Elle ne voulait pas marcher, elle est tombée en panne. Elle est tombée en panne? Ah, mais paf, ouais. Comme ça. Donc, je regarde et je vois arriver un livreur de journaux, gros mec, là, avec le gros blouson sur une grosse moto. Donc, je fonce sur lui, j'avais un petit manteau rouge, avec un petit col en fourrure noire, mais de la fausse fourrure, ciré rouge, très joli, et un petit chapeau crochet, parce qu'à cette époque-là, le casque n'était pas du tout obligatoire. J'étais très élégante. Et je fonce donc sur ce livreur de journaux, et je dis, écoutez, je suis en train de passer mon permis, mais voyez, la moto, elle est en panne, est-ce que vous pouvez me prêter la mienne? Donc, il me laisse sa moto, j'arrive devant l'inspecteur qui me dit, vous allez là-bas et puis vous revenez. Alors, je vais là-bas, je reviens. Puis je dis, Villet ? Il dit, oui, mais alors, attendez, quand vous vous garez, comment vous faites, etc., etc. Il m'a posé 3 questions. En fait, j'étais ronde comme une queue de pelle. C'est la question que j'allais vous poser. Complètement hein? Ronde. J'ai mon permis. très bien. Et donc, du coup, vous décidez de partir alors, en fait, ça se passe comment? Non, à cette époque-là, j'étais encore dans la publicité, je gagnais encore de l'argent. Donc, puisque j'avais un permis, je me suis acheté une 125. C'était une Bultaco, c'était des motos de tout terrain, mais ils avaient 2 modèles de route, qui étaient la 125 Junior, la 250 Metrala. Donc je me suis acheté des jolies motos, et puis après je suis passée au Suzuki, et puis j'ai quitté la pub. Voilà. Avec quel objectif? Alors, il y avait le premier Raid Orion, qui était un rallye de plein de motos qui partaient de Paris et qui devait aller jusqu'à Ispahan. Donc je me suis inscrite à ce rallye. Dans un premier temps, on ne voulait pas de moi parce que j'étais qu'une fille. Et puis finalement, ils ont accepté. Du coup, tout le monde a parlé de moi parce que j'étais la seule fille à conduire. Il y avait des filles passagères. Teston, qui était l'importateur des motos Buzzi, m'a prêté la moto de son frère. Une 750, 240 kilos vide.
était un monstre. Elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber. Elle était par terre, je ne pouvais pas la relever. Et tout le monde a parié que je tomberais à 500 km. Et ils ont tous perdu parce que je me suis cassé la gueule dans le Mont-Cenis, à 750 km de Paris. On a mis la moto dans le camion ramasse-miettes. On a réparé à Belgrade. Je suis allée jusqu'à Isfahan avec les autres. Et puis, arrivé là-bas, il y en a 11 qui ont dit « on va en Afghanistan ». Donc, je les ai suivis. En Afghanistan, il y en a 5 qui ont dit « on va au Pakistan ». Je les ai suivis. Et quand je suis rentrée, je suis rentrée seule d'Istanbul. Et puis après, qu'est-ce que je faisais de ma vie ? Rentrer de nouveau dans la publicité, même à mi-temps, c'était plus possible. J'avais été trop heureuse sur la route. Donc, je me suis enfermée dans la maison de campagne de mes parents et j'ai écrit mon premier livre, qui est paru chez Flammarion, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et en sortant de cette maison de campagne, j'ai appris que j'avais voyagé dans un camion, que j'étais une dangereuse nymphomane, enfin tout ce qu'on dit sur une bonne femme qu'on essaye de déglinguer. Alors attendez, parce que vous allez très vite. Qui on et comment ? Parce que déjà, le voyage, vous l'avez un peu escamoté. Hein. Je vous ai dit la même chose hier soir. Hein. Je vais en Afghanistan, je vais au Pakistan et je reviens, j'écris un livre, mais ça a duré combien de temps ce voyage ? Il a dû se passer des choses quand même. 2-3 mois à peu près. Ah oui ? 2-3 mois. En réalité, sur ce voyage, j'ai appris 2 choses importantes. C'est que je suis faite pour voyager seule. J'ai vraiment besoin d'être seule pour être vraiment en immersion dans le pays que je traverse. Si vous êtes avec quelqu'un, ce quelqu'un, quel qu'il soit, va prendre une partie de votre attention. Et il va être comme un obstacle entre le pays où vous êtes et vous-même. Et franchement, j'avais l'impression que je passais à côté de plein de choses. Plein de choses. Et je voulais vraiment... je suis faite pour voyager seule. Je suis faite pour vivre seule, avec des chats, avoir des amis auxquels je tiens énormément. Mais j'ai besoin de cette solitude pour être disponible, vous voyez ? Et voilà, c'était ça l'histoire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose ? Il y avait une deuxième chose ? Ouais, ça vous a appris 2 choses, ce voyage. Ah oui, qu'il faut relever la moto toute seule. Et ça, c'est super important parce que c'est très difficile. Je vous racontais l'histoire. Au retour, comme les autres m'ennuyaient, je partais le matin et puis on se donnait rendez-vous à l'étape du soir. Et au nord de l'Iran, il y a une piste de tôle ondulée qui va entre Neshabur et jusqu'à Charout, c'est au nord du grand désert de sel. Et donc la tôle ondulée, il faut la prendre relativement vite parce que les roues de la moto rebondissent sur les crêtes et à ce moment-là, vous ne sentez plus les chocs quand la fourche passe dans les trous, vous voyez. C'est la vitesse, la sécurité. Donc vous volez par-dessus les ondulations. Mais en même temps, il y a des plaques de sable mou. Et dans ces cas-là, il faut accélérer très fort pour lever la roue avant. Parce qu'autrement, elle s'enfonce dans ce qui est mou et puis elle se plie et vous cassez la gueule. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai pris une gamelle majeure. Et dans le désert, il n'y a personne. Donc qu'est-ce que je fais ? Je m'assieds sur la moto après avoir coupé le contact et j'attends. Arrive un camion. Alors j'arrête le camion à grands gestes et descends de 3 armoires à glace avec un turban sur la tête qui viennent vers moi. Et par geste, je leur montre moto par terre, relevez la moto s'il vous plaît. Ils ont vu que je suis une femme, ils ont fait « Ah !» Ils ont sauté dans le camion, ils se sont taillés en hurlant de terreur. C'était pas possible. Donc j'étais un djinn, un ifrit, un démon, mais ça pouvait pas exister. Donc je me suis rassise sur la moto, j'ai attendu, et puis ceux que je voulais pas voir sont arrivés et ils m'ont relevé la moto. C'est-à-dire ? C'était les derniers de ce raid d'Orient à qui je donnais rendez-vous à l'arrivée. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et donc... J'ai roulé avec eux. Ouais, d'accord. Oui, donc là, vous apprenez que vous êtes faite pour voyager seule et que vous avez envie d'écrire aussi, donc. Ah, de toute façon, j'ai toujours voulu écrire. Toujours, toujours. J'ai appris à lire à 5 ans et à 5 ans, je ne savais même pas ce que c'était, mais j'avais dans la tête que je voulais écrire des livres. Et donc, vous racontez ce voyage dans votre premier bouquin ? Dans le premier bouquin qui s'appelait « Une demoiselle sur une moto » et qui a été publié chez Flammarion et qui a vécu 13 ans, 14 ans en librairie quand même. Et que c'est très très bien vendu. Très très bien vendu, oui. Ouais. Mm. C'est pour ça que vous êtes super riche maintenant ? Non, mon agent a été super riche parce qu'il a embourbé tout le fric. Et ça vous fait toujours marrer ? Ah oui, complètement.
Qu'est-ce que vous voulez, je n'ai pas pleurniché parce qu'il n'y a pas de fric. Non, mais bon, c'est quand même une constante hein, de votre vie, c'est que vous n'avez jamais eu beaucoup d'argent, non, mais, malgré des succès. Mais j'ai une vie de luxe sans fric. C'est-à-dire que quand il y a eu l'histoire Chloé, ça, on vous racontera l'histoire du couturier, oui, il faut ils organisaient ça, ouais. des cocktails ultra chics. Et moi, j'y allais avec les petits caleçons noirs que j'achetais chez Lidl, les chaussures de la Grange au solde, etc. Enfin bon, et ça me faisait rire. on peut en parler, hein, puisqu'on est sur le sujet. Donc, Chloé, c'est une grande marque de couture qui a décidé de vous mettre en avant. Mais je ne savais absolument pas. De faire de vous son égérie. Oui, je ne savais pas. Et je suis devenue une égérie de la mode, imaginez-vous. Mais ce n'est pas très vieux en plus. Non, c'est à la fin 2016. J'ai reçu un mail de l'attaché de presse de la maison Chloé. Ce mail me demande si la maison peut utiliser 5 lignes de mon livre sur le tour du monde que j'ai fait donc, après le Raid Orient en 1973. Pour les invitations à la collection automne-hiver 2017. Oui, c'est ça, 2016-2017. C'est tellement loin de mon univers, j'ai trouvé ça complètement bizarre. J'ai appelé le gars le lendemain, et puis il était gentil comme tout. Je dis oui, bah écoutez, effectivement, prenez les phrases que vous voulez, mais moi je veux vous connaître. Ah oui, mais on ne peut pas parce qu'on prépare la collection là, mais après le 3 mars, qui était la grande présentation, on viendra vous voir. Bon, j'en entends pas parler, puis le 3 mars, je regarde la collection sur Internet et je découvre que je suis l'égérie de cette collection. Ah, ça consiste en quoi ? Ça s'appelait les motards de romantique inspirés par le tour du monde de Moi qui vous cause. Vous voyez ça ? C'est-à-dire, je me retrouve dans le monde de la mode. Et ils sont venus déjeuner à la maison après ça, avec Claire Weikeler, qui était la styliste à cette époque-là, son attaché de presse, chargé de com', etc. Et j'ai trouvé des gens absolument délicieux, mais adorables. Je leur ai montré des photos du Tour du Monde, et du coup, on a décidé de travailler ensemble. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait un interview important de Claire, j'étais associée. Il y a eu des articles dans le New York Times, il y a eu des articles dans la presse japonaise, partout, en Corée du Sud. Ça a été un succès, mais absolument planétaire. Ils n'ont jamais eu un succès comme ça. C'était extraordinaire. Et alors, ce qui a été le plus drôle, c'est que c'était un tel succès que j'ai eu droit à une heure de conversation sur rendez-vous avec le PDG de Chloé. Donc ce monsieur, qui est un technocrate parfait, m'a reçu avec beaucoup de gentillesse. Et il y avait l'attaché de presse, bien entendu, et la chargée de com' qui était là. Et il essayait de me poser des questions polies sur mon voyage, sur mes voyages. Franchement, ça ne l'intéressait pas. La seule chose qui l'a fait réagir, mais la seule, c'est qu'à mon âge, je lis sans lunettes. Donc je lui ai expliqué que maman m'avait légué ses cancers et papa ses yeux. Et donc il a cessé d'aborder les problèmes personnels. Oui, ça, en fait, ça l'a refroidi. Lui. Oui. Moi, ça m'a fait plutôt mal. Oui, ben, on a bien compris. On a bien compris votre humour. Et Claire Weikeler a quitté l'année d'après Chloé. Elle est passée chez Givenchy. Et c'est là où elle a fait la robe du mariage royal, pour le mariage de Meghan Parker et du petit-fils de la reine Elisabeth. Vous imaginez ? Harry, oui, c'est ça. Un spécialiste, merci. C'est le Stéphane Bern de Culture Business. Donc voilà comment je suis rentrée dans le monde de la mode, et c'était un voyage à peu près aussi exotique que l'Afghanistan, je vous assure. Alors ça c'est un voyage. Qu'est-ce qui vous plaît dans les voyages à moto ? Quelle est la différence un voyage à pied ou un routard classique en avion ou à pied, en bateau, je ne sais pas. À pied, je suis coincée par le temps, c'est-à-dire que je suis obligée de rester sur un périmètre qui est très très limité. Sur la moto, je suis dans un endroit merveilleux et je me dis « Oh, si ça se trouve, 50 km plus loin, c'est encore plus beau. » Et les 50 km plus loin, c'est vite fait. Donc il y a cette errance avec la prise de possession du temps. Vous voyez,
de passer d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'errance. Il y a des tas de filles qui maintenant font des voyages. Il y a une Anglaise qui s'appelle Elspeth Bird, qui a fait un tour du monde aussi, seule sur une moto. Mais elle s'arrête, elle tombe amoureuse, elle travaille, elle se casse le cœur, elle repart, etc. Elle a mis 3 ans. Moi, non, ça a été fait en 4 ou 5 mois, je crois, mon voyage autour du monde, en tous les cas. C'est pas la même chose. Et puis, ce que je trouve absolument magique sur une moto, c'est que c'est le corps entier qui réagit à chaque détail du paysage que l'on traverse. Vous connaissez ça. Par exemple, on découvre que l'eau a une odeur quand on passe à côté d'une rivière. Quand brusquement... vous voyez, un soir, en Afghanistan, j'étais prise sur la route de Bamiyan par la nuit. Et donc, j'ai fait les 50 derniers kilomètres de piste de nuit. Et j'entendais des bruits. Et ces bruits, c'était des bruits de l'eau. Et je comprenais donc qu'il y avait une rivière un peu en contrebas, mais loin en contrebas. À un moment donné, je voyais mal, j'avais un très mauvais phare, en plus il était mal réglé. Je sens une fraîcheur sur les joues. Et c'est la fraîcheur que l'on ressent quand on est dans une forêt. Chaque petit caillou fait vibrer la fourche, et donc ça passe dans les bras. Donc votre corps entier est un espèce de réceptacle du monde. Et ce qui est marrant, c'est que l'année d'après, je refais cette route pendant mon tour du monde. Je vais à Bamiyan sur une autre moto et il faisait jour. Eh bien, ce bruit d'eau que j'entendais, qui était tellement loin, en réalité, il était à 1,50 m de moi. Et ce qui était une forêt, c'était un bosquet. Mais ce que mon corps avait enregistré dans la nuit, eh bien, je l'ai reconnu le jour. Et c'est ça, c'est cette espèce de symbiose entre ce que le monde vous dit et la façon dont vous le rentrez dans votre chair. Ça, c'est absolument magique. Les odeurs, vraiment. Quand vous avez brusquement, je vous disais hier soir, la première fois que sur mon petit 50 cm cube, je suis arrivée en haut d'une montagne dans les Alpes et que j'ai pris une gifle d'odeur de lavande, mais je l'ai encore, c'est magique. Vous passez à côté d'un chèvrefeuille vers le coucher du soleil en Hollande et brusquement vous êtes dans le monde du chèvrefeuille. Tout ça, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Et puis, il y a ce bonheur du corps, cette espèce de symbiose de faire partie du monde et qu'il vous parle. Et puis ensuite, quand vous vous arrêtez, c'est génial. Vous arrêtez, vous vous mettez sous une tonnelle en France, vous buvez un pastis, mais c'est le meilleur pastis du monde parce que vous l'avez bien gagné. En Afghanistan, vous vous installez dans une chaïrana et on vous apporte des brochettes qui sentent délicieusement bon. Et c'est du mouton, il marche encore à pied tellement. Il est sauvage, ce fou, même cuit. Mais tout ça, ça prend un relief magique. Et puis en plus, vous êtes la télé en couleur pour les gens. Donc ils viennent voir, tu es cuite. C'est quoi ce machin? C'est une bonne femme toute seule sur une moto? Non, c'est pas possible. C'est génial, ça ouvre toutes les portes. Mais quel est l'accueil justement, on imagine l'Afghanistan, le Pakistan, ce sont des pays où les femmes font certainement pas ce genre de choses, même si dans les années 70, même en Europe, les femmes ne faisaient pas tellement ça. Pas souvent. Mais bon, ils venaient vous voir comment? Il y a ceux qui sont fuis sur la route, mais en règle générale, il y a un sens d'hospitalité comme dans ces pays-là. Ah, mais magnifique. Et puis surtout, une femme seule, dans les pays musulmans, quand ils ne sont pas en guerre, elle est absolument sacrée. Tout le monde lui doit aide, assistance et amitié. Et donc, tout le monde venait voir, tout le monde... c'est le nombre de fois où j'étais dans un restaurant et où, au moment de payer, on me disait « Non, non, quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un est parti, il a payé ma note. » On rentre en France et on se dit « Est-ce qu'on fait ça pour un Pakistanais chez nous ? Pas une seconde. » Pakistanaise, peut-être. Et en plus. Non, mais c'était extraordinaire. Et puis... Je les amusais. Ils se disaient, mais vous savez, c'est tellement pas normal. Et elle vient chez nous toute seule. Ça veut dire qu'en même temps, elle a confiance dans notre honneur. Même si ce n'était pas dit comme ça. Mais il y avait cette relation. Et ça, je l'ai vu partout où je me suis promenée. Il n'y a jamais eu de moment de trouille J'ai peur des serpents. Oui. J'ai peur des serpents. Ça, vous avez bien compris que ce n'était pas ma question. Vous parliez de quoi, jeune homme? Non, mais avec les hommes. Mais déjà, attends, une fille à pied, ça fait peur aux hommes. Alors, une fille sur une moto, ça fait encore plus peur aux hommes. Donc, en fait, ils ont la trouille. Mais c'est tellement plus marrant d'être mon copain que de me violer.
C'était l'image que projetaient les Français, c'est l'image que projetait l'Occident sur ce monde musulman. C'est vrai qu'on sortait aussi de la guerre d'Algérie, donc les relations avec le monde musulman étaient encore entachées de toute cette violence. Mais, je veux dire, ils ne sont pas fous. Je me souviens d'un hôtelier turc qui me dit « Quand on voit arriver une fille, on sait si elle vient pour la drogue, pour le sexe ou pour la paix. » Ben c'est tout. C'est votre comportement qui va conditionner les gens. Alors, vous pouvez toujours tomber sur un fou. Vous pouvez toujours tomber... par exemple, un voyageur m'avait dit « Si dans un pays, tu vois qu'il n'y a pas de fenêtre à l'extérieur des maisons, c'est que la nuit est dangereuse. Donc, tu ne campes pas dehors. Tu vas dormir à côté, si tu as une tente à côté d'une maison, tu plantes ta tente dans une station-service, où tu veux, mais tu ne restes pas au milieu de nulle part. » Bon, ben c'est tout. Partout, il y a des règles du jeu. Il y a une façon aussi de se tenir, il y a une façon de s'habiller qui est aussi une forme de respect par rapport au mode de vie des autres. Je n'irai pas faire de la moto en maillot de bain à Kaboul, hein, même à cette époque-là. Je suis en train d'imaginer, mais effectivement... Montrer ses bras, montrer ses formes dans un pays où les femmes le dissimulent sur la voie publique, pas chez elles. Ben non, on ne le fait pas. C'est aussi une question de respect pour le mode de vie. Voilà. Mais bon, ça... On apprend très vite. Par exemple, vous êtes en Inde, toutes les femmes ont une natte sur la nuque. Ben, ça veut dire qu'il ne faut pas montrer sa nuque. Si elle est dissimulée, il y a une raison. Par contre, elles montrent leur peau entre le haut du sari et la brassière. Ça, c'est pas un objet érotique. Donc, vous voyez, il y a des langages. Mais dès que vous avez passé une demi-heure dans une rue, vous savez comment il faut faire. Alors, oui. Je pense que maintenant, les choses ont dû changer avec Internet. Parce qu'il y a le meilleur et le pire qui se baladent sur Internet. Et que peut-être, dans pas mal de pays maintenant, on croit que la femme occidentale ou la femme française se comporte comme on l'a vu sur l'écran. Ça peut créer des problèmes qui n'existaient pas de mon temps. Alors, vous avez parlé du rapport du corps avec la nature. Et quel est le rapport du corps avec la moto ? C'est essayer de ne pas se casser la gueule. Ça, évidemment, c'est... Mais ça arrive quand même. Hein. Oui. Quand on fait la moto, on tombe à un moment. Oh oui, voilà. Mais j'ai fait du judo. Et donc, chaque fois, j'ai réussi à me répandre comme une crêpe, mais à ne pas me faire mal. La seule fois où j'ai eu des os cassés, c'est c'était en 2012, donc il y a 8 ans, où je me suis fait emplafonner en voiture par une autre voiture qui a grillé un stop, qui s'est jetée dans la mienne, et j'ai eu 3 fractures. Et depuis, ben, je ne peux plus faire de moto. Alors que j'ai des centaines de milles de kilomètres, j'ai eu des gamelles de toutes les façons, mais uniquement des bleus. Et c'est la gamelle en voiture qui vous a empêché de faire la moto et pas du tout une gamelle à moto. Mais quand même, je parle du rapport au corps... Le corps qui fait corps, pardon, qui fait corps avec la machine, est-ce que ça c'est important dans le voyage ? Je ne l'ai pas vécu comme ça. Je ne me suis jamais posé cette question-là. La moto, c'est une évidence, je suis assise dessus, elle roule. Mais l'usine Malander, par exemple, cette fille qui fait ses voyages extraordinaires et qui faisait des films sur la 5, mais l'usine Malander donne des noms à ses motos. Moi, c'est un tas de ferraille. Je veux dire, j'ai pas discuté avec ma cocotte minute. Donc. Oui, mais c'est pas évident ce que vous dites, parce qu'il y a quand même un rapport. Enfin, bon, je parlais pour moi, oui. Pardon, hein, mais il y a un rapport charnel parfois avec. On peut faire corps avec sa moto, et ça fait aussi partie du plaisir. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui font de la moto, il y en a plusieurs. Non, il y a des motos qui m'ont donné grand plaisir à conduire, comme par exemple les premières BMW, les premiers vieux flats en 75 en Australie. Où j'ai fait, je crois, 25-26 000 kilomètres, dont 4 000 de pistes tout autour de l'Australie. Et c'était très agréable à conduire parce qu'elle était souple, elle était puissante. Je m'en sablais dans le sable. Je passais sous le sable la première et puis je remettais les gaz et elle sortait tranquillement. Mais je ne suis absolument pas fascinée par le pilote. En fait, je conduis comme un panier. Voilà. Quand ça penche dans les virages, j'ai peur, je ralentis. C'est qu'on ralentit trop quand on tombe aussi. Hein. J'aime pas aller vite, parce que je trouve ça épuisant. La pression du vent, si on fait de la longue route, il ne faut pas aller vite.
Et effectivement, j'ai pu rester des 10 heures dans la journée sur la moto, en particulier au Canada où il y avait le soleil de minuit en juillet et où je ne voyais pas le temps passer. Mais j'étais tellement bien, je me laissais rouler quand j'étais sur une moto, vous voyez. Oui, en fait, vous faisiez corps, mais sans vous en rendre compte. Je faisais de la moto comme on fait du bateau. C'est la monotonie, c'est ne pas aller vite, c'est regarder le monde, se régaler de ce qu'il y a autour. Le cabotage. J'ai pas dit du cabotinage. Non, j'étais en train de chercher un jeu de mots, mais vous l'avez fait avant moi, merci. Donc il y a tous ces voyages à travers le monde, sur différents continents. Oui. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez fauché. Oui. Mais alors comment on finance un voyage en Australie ou un voyage au Japon ou au Canada? Ça se passe alors, de quelle manière? Ça se passait comme ça. C'est-à-dire que comme on parlait de moi, que quand je partais en voyage, on savait qu'il allait y avoir un livre. Match me prenait un grand sujet, vous savez, les 6 pages à l'entrée du magazine. Moto Revue et ensuite Moto Journal me prenait quelque chose. Ensuite, Cosmopolitan me prenait quelque chose. Donc, il y avait déjà une couverture média sur chacun de mes voyages qui avait une signification, plus les interviews, ensuite les passages à la télé, etc., etc. Donc, j'étais intéressante dans la promotion des marques. Alors, on me prêtait la moto, comme on prête les motos pour des essais de route à des journalistes, sauf que mon essai de route, il pouvait durer jusqu'à 7 mois en Amérique du Sud. Je rendais la moto à l'arrivée. Je ne voulais pas être payée par les marques parce que je voulais être responsable de ma communication. Je veux dire, si la moto est une merde, je ne vais pas dire qu'elle est bonne parce qu'on va le croire. Et quelqu'un risque de se mettre en danger en partant sur les mêmes routes avec quelque chose qui tient pas le coup. Mais on vous commandait des reportages sur le voyage ou sur la moto? Sur le voyage. Donc en fait, ça n'avait pas d'importance de toucher de l'argent pour parler de la moto bien. Mais non, mal. Parce qu'elle est au centre quand même. Oui, mais bon, une mauvaise moto, vous n'emmène pas pendant 7 mois en voyage. Oui, mais à ce moment-là, je veux dire, le deal se casse la gueule. D'abord, je ne peux pas faire le voyage, donc je ne peux pas raconter mes histoires. Ouais, donc c'était forcément une bonne moto. C'était une moto que je savais ne pas casser. Voilà, donc voilà. Vous auriez pu prendre l'argent. C'est non. Ça que j'ai. Voilà. Je voulais vraiment être complètement indépendante. À partir du moment où on vous paye, à ce moment-là, il risque de vous associer à des manifestations où moi, je n'ai pas envie d'aller parce que ce n'est pas dans ce que j'ai envie de véhiculer, etc. Je veux mon indépendance. Les compagnies d'aviation, elles, avaient des budgets où elles donnaient un billet gratuit. Et en échange d'une présence sur les photos, avec des stickers sur la moto et une présence dans le livre, etc., etc. Ça faisait partie des budgets de promo aussi, d'image de marque. Et quand j'ai voulu faire le tour du monde, j'avais décidé de commencer par le Canada pour aller jusqu'en Alaska parce que c'est déjà un long voyage et puis c'est un pays où il y a du goudron par terre, etc., etc. C'est à la fois un rêve, mais pas trop compliqué. Bon. J'avais une copine qui travaillait chez Air Canada et qui me dit « Tu nous fais un déjeuner, je t'amène le directeur de la promo et celui de la pub. » J'habitais à cette époque-là, puisque j'avais plus un rond, dans le garage d'une copine qui avait mis une vague salle de bain et quelque chose pour faire la cuisine. Ils arrivent et à cette époque-là, j'avais 2 chats. Il y avait Foun et Julie. Julie était noire, elle était très bête et Foun était grise et blanche et elle était absolument adorable. Et Julie a compris qu'il y avait un peu de l'agitation dans ma vie. Ils sont arrivés, j'avais acheté une bouteille de whisky, on prend l'apéritif, tout va très bien. On passe à table, je sers l'entrée, tout va très bien. Et quand je pose le rôti de bœuf au milieu de la table, Julie avait décidé de m'aider et elle est arrivée. C'était au bord d'une rivière. Elle est arrivée avec un rat qu'elle avait été pêchée dans la rivière, qu'elle avait tuée, qui était dégouttant d'eau. En ronflant de bonheur, elle a sauté sur la table et elle a posé le rat sur la nappe à côté du plat. Ça jette quand même un froid. Eh bien, j'ai eu mon billet parce que j'ai eu le réflexe de sauter sur l'appareil photo et de prendre des photos. Donc, ils ont vu que j'étais une bonne journaliste. Ah oui, c'est pas mal. Et je pense... C'est pas sûr que j'aurais pu faire le tour du monde si le chat n'avait pas rapporté un rat. Ah ouais, c'est une super histoire, ça. Et donc, le tour du monde, alors, je suis arrivée... il allait d'où à où? Alors, je suis partie du Canada, je suis arrivée jusqu'en Alaska, 10 ou 12 000 km après. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait 2 000 km de piste, ce que je ne savais pas, entre le Canada et l'Alaska. 12 000 km entre le Canada et l'Alaska? Oui, et ça dure longtemps, ça. Un petit mois. Un petit mois? Oui, ah ouais. Un petit mois. Et arrivé à Anchorage... Attendez,
Je pose une question basique. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans des grandes étendues comme ça? Vous faisiez quoi? Mais je roulais. Je roulais, et vous savez, quand vous roulez dans un paysage monotone, il se passe une espèce de déconnexion dans votre tête, où vous êtes dans un temps qui ne coule pas, c'est un instant qui est toujours là. Et puis, vous êtes dans un bien-être absolu, c'est le mouvement à l'état pur. C'est vraiment, je crois que c'est comme les oiseaux quand ils planent, c'est ça. C'est le bonheur du mouvement. Et puis, quand vous êtes dans la forêt et que vous êtes dans des murs d'arbres et qu'il n'y a pas, pendant des jours et des jours, pas une seule maison parce que les villages sont à l'écart de la route et que vous avez toutes les odeurs de curry qui sortent des sous-bois, etc. Mais c'est magique, mais c'est absolument magique. Non, c'était très, très beau. Et alors, arrivé en Alaska, j'avais deux solutions. Alors, d'abord, j'avais plus un rond. C'était soit essayer de descendre par la côte ouest des États-Unis vers le Mexique, ou alors aller au Japon. Donc avec ce qui me restait comme argent, j'ai acheté un billet d'avion pour moi pour aller à Tokyo. J'ai mis la moto dans l'avion en disant « Kawasaki paye à l'arrivée ». Et je suis arrivée à Tokyo, j'ai appelé Kawasaki en disant « Bonjour, alors je suis là, alors j'ai pas d'argent pour rester, puis j'ai pas d'argent pour partir, mais c'est une Kawasaki, et puis tout le monde attend en France les articles, alors on fait quoi ?» Oh. Il était gonflé quand même. Il faut avancer. Alors, ils sont venus me chercher, ils ont récupéré la moto, ils ont payé, ils ont organisé des rencontres avec les journalistes, et à cette époque-là, quand on était interviewé au Japon, on était payé. Donc, j'ai récupéré mes sous. Et puis Air France m'a donné un billet d'avion pour Bombay. Oui, vous avez roulé quand même au Japon? Très peu, parce qu'ils n'ont pas voulu. Ouais. Ouais. Ils ont emmené la moto à Akashi, qui est là, il y avait leur usine. Ils ont tout démonté, ils ont tout remonté. Ils m'ont passé une 350 pour descendre avec eux dans l'île de Kyushu pour aller voir un championnat de motocross. Ça a été quand même un peu rock'n'roll. J'ai rien compris au Japon, mais rien, mais vous ne pouvez pas savoir. J'étais sur une planète, j'ai dû accumuler toutes les gaffes, ça a été catastrophique. J'ai rien compris. Et puis je me suis retrouvée donc 3 semaines plus tard en Inde, où j'ai rien compris, mais où c'était tellement drôle et joyeux et gentil que ça ne posait aucun problème. Et puis après, ça a été la route du retour. Mais, voilà. Facile, tout simplement. Entre le choix de longer la côte américaine vers le Mexique et le Japon, vous choisissez le Japon, vous n'avez pas ce fantasme, je dirais, typique des motards depuis Easy Rider, de rouler, pas tous les motards, j'en vois qui hochent la tête, de rouler à travers les États-Unis. Je me suis dit que le tour du monde, c'est partir d'un côté et rentrer de l'autre, c'était un rêve. C'était une image, c'était presque une espèce de symbole, vous voyez. C'est, alors que partir, faire un angle droit, descendre, je ne sais pas, ça tournait pas rond, voilà. Ça tournait pas rond. Rentrer en disant j'ai fait un tour du monde, c'était fou comme idée. Ça me plaisait, moi, c'était... Donc il fallait que ce soit en rond. Il fallait que ça soit en rond. D'accord. Voilà. Et puis je suis repassée à partir du Pakistan, à partir de Rawalpindi, par la route que j'avais suivie l'année d'avant, mais avec les autres. Et de me retrouver seule à ces endroits-là, mais ça a été extraordinaire, extraordinaire. Et les gens étaient fabuleux avec moi. Vraiment. Je vous racontais hier, quand je suis arrivée à la douane afghane, évidemment, il y avait des gros camionneurs avec des gros camions de toutes les couleurs, c'était magnifique. Et ils me tapaient dans l'épaule en disant « Very brave woman !» Je tombe, « Very brave woman !» Et il y avait un homme qui est venu me chercher. Il m'a emmené à une voiture. Sa femme était dans la voiture avec un tchadri. Ça n'a jamais été la burqa en Afghanistan, c'était le tchadri. Et un bébé dans les bras. Il a pris le bébé, il l'a posé dans mes bras. Vous imaginez? Oui, c'est ce qui ressort de vos récits, c'est que finalement, la moto c'est un moyen, mais ce qui est important c'est la rencontre. Oui, mais le fait que je sois sur une moto fait que la rencontre est tout à fait exceptionnelle pour tout le monde, parce que je ne ressemble à rien. C'était l'époque des routards,
Donc il y avait beaucoup de jeunes qui partaient en stop, en transport en commun, qui allaient jusqu'en Inde. Beaucoup, beaucoup se défonçaient. C'est là où j'ai pris la haine, mais même du hashish. Je veux dire, ça me rend sauvage que ça existe, parce que j'ai vu ces gens se détruire au fil de la route pour aller crever au nord de l'Inde. C'était effroyable, effroyable, effroyable. Mais une occidentale toute seule sur une moto, ils n'avaient pratiquement jamais vu ça. Pour eux, c'était une extraterrestre. Et même quand j'étais en Amérique du Sud, en 81, donc plus tard, où j'ai passé 7 mois sur une moto, les gens aussi venaient voir, parce que même là, ce n'était pas normal. Mais ça l'est toujours pas. Hein. Mais même en France. Mais oui. Mais même en France. Il y a très peu de femmes qui pilotent. De plus en plus maintenant. J'en rencontre beaucoup maintenant. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y en a quand même en proportion. La proportion de motards dans la population, il y a peu de motards. Et parmi les motards, il y a peu de femmes qui conduisent. Il y en a, évidemment, évidemment. Il y en a peu qui voyagent seules. C'est surtout de voyager seules, je crois, la différence. Mmh. S'ils avaient vu arriver 10 nanas en même temps, ça les aurait étonnés, etc. Mais il n'y aurait pas eu cette attention particulière à la femme qui est seule. Parce que, étant femme, il est évident que je suis très faible, mais étant seule et sur une moto, je suis complètement folle, ou j'ai une bombe atomique dans mon sac à main, ou de toute façon, ça mérite qu'on aille voir. Vous voyez? Et moi, même avec un groupe de filles, j'aurais pas eu cette disponibilité pour les autres. Oui, c'est ça, quand on est seul, on est obligé d'être plus ouvert. Quoi, mais on est à poil. Ouais. Si vous voulez, d'une certaine façon, c'est un peu grossier comme définition, mais c'est ça, on n'a pas d'armes. Et il ne faut pas avoir d'armes. Il faut effectivement se tenir, il faut avoir du respect pour les autres, mais on est obligé d'être avec eux. On est obligé. Ou alors, on voyage, dans une limousine, avec un chauffeur, etc. Et c'est plus la même chose. C'est plus le même voyage. Je veux dire, moi j'ai appris quand j'étais dans ces pays-là que j'étais française. Je ne savais pas que j'étais française, on me l'avait dit. Mais être française, ça veut dire se tenir d'une certaine façon, se nourrir d'une certaine façon, c'est avoir des gestes d'une certaine façon. J'ai compris que j'étais fabriquée par une société particulière. J'ai adoré l'Afghanistan, j'aurais pas pu y vivre, c'est pas ma planète, on n'est pas les mêmes singes. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'entre singes qui mesuraient l'immense différence entre eux et moi, on avait un intérêt, on avait une fascination les uns pour les autres et une communication de confiance dans l'instant qui était absolument extraordinaire. Et que je ne peux pas me permettre en France, parce que nous avons des codes sociaux, et que ces codes sociaux, même si j'en transgresse quelques-uns, je les respecte quand même, parce que c'est comme ça que notre société fonctionne et qu'elle tient. Là-bas, je suis hors-jeu. Je suis complètement hors-jeu, et ils sont hors-jeu pour moi aussi. Donc on ne peut se donner que l'essentiel. On ne peut pas communiquer par la culture, on ne peut pas communiquer par les références, même par les mots, même si j'apprends très vite les 50 mots pour vivre. Ce n'est pas intellectuel, c'est carrément animal. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais appris, je ne savais pas que ça existait, et c'est magique. Parce que c'est pour rien, c'est uniquement pour le bonheur. Oui, oui, c'est votre vie est guidée par ça. Oui, absolument. C'est ça, hein? Mm-hmm. Oui. Dominique, il reste combien de temps? C'est toi qui es le maître du temps. Il me reste 10 bonnes minutes, un quart d'heure maximum. Ok, bon. Si vous voulez poser des questions, vous pourrez le faire. Et puis, après, de toute façon, vous serez dispo pour répondre individuellement, parce qu'on va encore passer un peu de temps à votre discrétion. La vieille qui conduisait les motos, c'est-à-dire que là, vous remettez le couvert à 60 ans. Oui. Mais là, vous restez en France. Alors, j'étais très étonnée d'arriver à 60 ans parce que je conduis comme un panier, je mange ma cuisine. Choucroute au canard. Choucroute au canard, etc., etc. C'était fabuleux d'arriver à vieillir. Je ne pensais pas que j'y arriverais. Donc, je ne faisais plus de moto depuis 12-14 ans, un truc comme ça, parce que les assurances étaient devenues un peu folles, ça, je ne pouvais plus me les offrir. Et puis, elles sont redevenues raisonnables. Et j'ai trouvé une vieille 800 BMW que j'avais conduite en Australie en 1978, quand la télévision australienne m'a fait revenir pour me filmer pour une série télévisée. Enfin, vous voyez qu'il y a tellement de choses à raconter, il faut choisir. Hein. Il faut choisir. Ouais. Et donc, je m'achète cette 800 BM et je commence à rouler. Et je trouve ça génial.
Et je n'ai jamais fêté mes anniversaires. Sauf que là, c'était exceptionnel d'avoir 60 ans, d'avoir retrouvé cette moto. Donc j'ai appelé tous les copains en province, à travers la France, en disant « J'arrive, je veux une cuite et un gâteau. » Et j'ai fait mon tour de France, de copain en copain, comme ça. Et tous m'ont fait une véritable fête, rien que pour moi. Ça s'est terminé en Bresse, où ils ont ouvert la dernière bouteille de Château Chalon 1978 pour moi. Vous imaginez ? C'était grandiose. J'adore le vin jaune. C'était tellement fabuleux comme voyage, alors que j'étais partie pour rien uniquement, que je l'ai écrit. Je l'ai écrit en rentrant. Et quand Payot a sorti mon Tour du Monde à la suite de l'histoire de la collection Chloé, etc., donc ce Tour du Monde a été republié en poche, il a très bien marché, ils m'ont demandé si j'avais autre chose, et je leur ai apporté ce manuscrit, où je crois que j'ai dû ajouter un ou deux chapitres à la fin, et voilà, ça a donné La Vieille qui conduisait des motos. Alors, La Vieille qui conduisait des motos, c'est une espèce de chronique, au quotidien. C'est-à-dire que vous racontez pas forcément ce qui vous arrive sur la route, mais voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de rouler, ça vous amène des réflexions. Et alors, il y en a qui en prennent pour leur grade. C'est pas vous êtes. Moi, je sais pas, mais je pense à un vigile chez Intermarché. Il était con comme un balai. Attendez, vous voulez m'enlever que j'enlève le casque parce que j'aurais éventuellement pu voler une machine à laver pour la mettre dans mon casque. Attendez. Dès qu'on a un casque sur la tête, non mais vous êtes un imbécile. Ouais, voilà, enfin vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Il y a les moments agréables, il y a les moments tristes. Vous parlez de votre maladie. Enfin, c'est un livre de réflexion, c'est un livre. Mais oui, parce que en vieillissant, j'ai commencé à comprendre ce que je faisais. Alors il faut vous dire que je suis bélier. Donc le bélier, il fait les choses. Puis quelquefois, avec un peu de chance, 50 ans après, il comprend. Ben, c'est mon cas. Donc, quand j'ai fait ce voyage, je vous parlais du cerveau qui travaille en arrière-plan, ce que j'avais appris dans la publicité. Sur une moto, vous avez dû voir ça, on a une partie de l'attention qui est prise par la conduite, mais aussi, il y a toute une partie de soi qui fonctionne sans qu'on s'en rende compte, et brusquement, on trouve des solutions à plein de problèmes. Ça s'éclaircit. Et ben, c'est ce qui s'est passé aussi pendant ce voyage, et ça aussi, j'avais envie de le raconter. En vieillissant, on arrive finalement à trouver un sens à ce qu'on a accumulé. Donc, au fond, ça consiste à ranger ma vie, à ranger le monde. C'est pour ça que j'écris sur les plantes aussi, ça permet de ranger le monde. Et quand j'ai écrit des romans, bah, c'était l'équivalent d'une psychanalyse. En une douzaine de romans, je me suis rangée moi en bon ordre. Donc tout ce travail de rangement, j'ai commencé à en prendre conscience quand j'ai fait ce Tour de France. Et que j'ai surtout commencé à le raconter, brusquement j'ai pris de la distance, voilà. Alors que j'ai passé mon temps à couvrir de grandes distances, mais je ne comprenais rien. Ben, enfin bon, c'est pas exactement ça, parce que vous comprenez bien les choses, mais bon là ça vous a permis de prendre du recul, le fait aussi d'avoir 60 ans, c'est mais qui est un marqueur. Ah oui, c'était étonnant ce voyage. Et puis c'est tellement beau la France, tous les 50 km il y a quelque chose de nouveau. Et c'était amusant de rentrer aussi dans ce que les paysages peuvent raconter. Quand il y a différents lieux où il y a des histoires magnifiques, l'histoire des lances feuillies du côté de la... à l'ouest de la France, du côté de... Zut, comment ça s'appelle, les Sables d'Olonne, par là. Oh, le mot... La Vendée. Oui, en Vendée. La Vendée. Où il y a cette légende des conquérants qui venaient du Maghreb, qui sont arrivés, et les armées du roi avaient posé leurs tentes, et ils ont planté les pics à l'entrée des tentes. Et quand la bataille a voulu commencer, ils se sont rendus compte qu'il y avait des feuilles qui avaient poussé sur ces pics qu'ils avaient fichées en terre devant leurs tentes. Et donc ils ont pris ça comme un signe du ciel qui disait « la vie c'est de votre côté », et du coup ils ont gagné la bataille. Ben voilà, je passe dans un petit patelin de rien du tout, et il y a cette légende, donc évidemment que je vais la mettre, parce que même si je ne la connais pas, quand j'y passe, peut-être qu'elle fait partie de la magie du lieu. Et ça aussi, c'était amusant de prendre un peu de distance pour rajouter des choses. J'ai adoré écrire ce livre, je me suis beaucoup amusée.
Oui, et puis c'est un livre qui est en plus dans l'air du temps, parce que on est tous coincés en France en ce moment. Hein. Donc on redécouvre des régions, ou même la nôtre simplement. Quoi. Oui. Mais un jour, j'étais sur une moto sur le Causse du Larzac, et le soleil a commencé à descendre vers l'horizon, et il y avait une énorme falaise blanche à l'horizon, et je me suis retrouvée en Afghanistan, à Bandiamir. C'est-à-dire, il y a des échos aussi, vous savez, d'un paysage à l'autre. Et c'était fou comme sensation. C'était fou. Sauf qu'ici, ben, on a des sacrément bons vins sur la route, on a des sacrément bonnes petites auberges. Moi, j'adore les hôtels de famille. C'est fantastique. Oui, puis ça se fait de plus en plus. Hein. Maintenant, on loge très facilement chez l'habitant, ce qui se faisait peut-être moins à une époque. Mais maintenant, il y a des chambres d'hôtes, des choses comme ça. Des chambres d'hôtes, ouais, c'est ça, oui, de plus en plus. Hmm, oui, mais moi, je vais dans les petits hôtels. Oui, oui. Bon, les chambres d'hôtes. Ce livre, Miscellanée des fleurs, c'est un petit peu le même principe que ce livre. C'est-à-dire que ce sont des petites chroniques, oui. C'est un très joli bouquin, il y a des dessins, et puis vous recensez des choses, et puis vous dites des choses. Quel est votre rapport avec la nature? Alors, je vis à la campagne. Et à un moment donné, j'ai habité une maison abandonnée qu'on m'a prêtée, et en brie, et j'avais mis des petites fleurs devant l'entrée. Et le propriétaire du journal local était un copain qui venait de temps à autre dîner avec sa nana, et il trouvait que c'était joli. Donc ils m'ont demandé de faire une chronique dans leur supplément mensuel. J'ai dit, qu'est-ce que je vais raconter à des gens qui vivent à la campagne? Ils en savent beaucoup plus que moi, en plus je ne suis même pas botaniste, j'ai appris un peu les plantes en posant des questions, quoi. Si on me dit tu tailles le rosier, je ne sais pas pourquoi, je vais le faire mal. Donc j'essaie de comprendre pourquoi il faut tailler le rosier et comment. Donc je suis allée chercher des informations que je pouvais comprendre à droite, à gauche, etc. Et petit à petit, j'ai reconstitué à ma façon ce monde des plantes, le monde des humains avec les plantes. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est une façon de ranger le monde. Par exemple, quand je mets un oignon dans la cuisine, je mets un morceau d'Afghanistan, parce que l'oignon nous est arrivé d'Afghanistan. Quand je mange une pomme, je mets un morceau du monde des Mongols, parce qu'ils voyageaient avec des pommes qu'ils mangeaient. Ils crachaient ensuite depuis le Turkménistan, puisque les pommiers sont nés au Turkménistan. Ils crachaient les noyaux ou ils jetaient les trognons. Ça faisait un pommier qui germait. Et comme ça, au fil des caravanes, au fil des armées qui passaient, les pommiers sont arrivés chez nous. Enfin, je veux dire, on peut raconter l'histoire des humains simplement par le déplacement des plantes. Moi, je vais chercher ce genre d'informations. Le comportement des plantes me fascine. Elles n'ont pas de cerveau. Elles sont incapables, mais capables d'inventer des stratégies extraordinaires pour sauver leur peau. Il y a un petit iris qui s'appelle l'iris du Missouri, qui est au nord-ouest des États-Unis. Il vit toujours dans un coin où il y avait des bisons. Bisons, 700 kilos, je marche, je broute, je marche, je broute. Comment est-ce qu'une fleur qui n'a pas de cerveau s'arrange pour qu'un bison de 700 kilos ne vienne pas bouffer ses graines? Parce que la graine, c'est sacré. Hein. La plante, elle est là pour que la forme de vie qu'elle incarne puisse continuer. Eh bien, l'iris du Missouri enferme ses graines dans une capsule dont les bords sont comme du papier. Elle fait ça à la fin du mois de mai. Donc, il commence à faire chaud dans la région. Quand il fait chaud, le bison dort. Le vent se lève, il fait moins chaud. Le vent s'enquille dans la capsule, il la secoue. Les graines tapent sur les parois, ça fait... Et ça, c'est le bruit du serpent à sonnette qui va attaquer. Le bison, il entend ça, il prend ses pattes à son cou, il fout le camp. Voilà. Ben, rien que ça, quand je tombe sur une histoire pareille, je suis comme une folle et j'ai envie de la raconter. Ouais. Et bon, ben, ça veut dire que je lis des pages et des pages et des pages, depuis Aristote et ses histoires de plantes qui sont quelquefois à hurler de rire, les livres de Jean-Marie Pelt où je trouve des merveilles, mais que je raconte à ma façon, etc. Vous voyez, je ne suis absolument pas scientifique, mais tout est blindé parce que c'est relu par quelqu'un de très très costaud au niveau de la science. Je me régale avec les histoires de plantes. Et en fait, tout est lié, le voyage, les plantes, les humains. Et imaginez, il y avait entre Herat et Kandahar un endroit en Afghanistan qui était unique, où il y avait une espèce de tache rouge dans un pays qui est beige, beige de terre, beige de cailloux, etc. Il y avait des bruyères qui poussaient là.
Comment est-ce que ces bruyères se sont installées? Je continue à me poser la question, je n'ai toujours pas la réponse. Mais cet Afghanistan, c'est à la fois les gens et puis cette tache de bruyère qui était absolument fascinante, unique. Arriver en Amérique du Sud et passer la ligne en Colombie, qui est un col à 3500 mètres, et voir des palmiers qui sont absolument comme des géants avec ces stipes, on appelle ça les stipes, enfin ces espèces d'énormes feuilles qui bougent dans le vent, et on a l'impression que vous avez un mec de 12 mètres 50 qui vous dit bonjour quand vous passez, mais je les vois encore. C'est magique. Mais tout ça, si vous voulez, je ne savais pas qu'un jour je travaillerais sur les plantes, mais les images, elles sont là. Voilà. Donc, ça fait aussi partie du bonheur. Très bien. Il va bientôt être l'heure de conclure. J'aimerais quand même, pour terminer, que vous nous parliez de cette nouvelle aventure qui arrive, parce qu'en fait, vous n'arrêtez jamais, hein, qui ne sera pas à moto, mais vous allez vous rentrer dans le show business, là, un petit peu. Oui, quand il y a eu cet article à propos de la collection de Chloé, il y a eu un article qui est paru dans le New York Times. Et j'ai été contactée par une productrice américaine, pas du tout des grands studios, mais plutôt du genre Sundance, vous voyez, des gens en dehors de très très gros business. Bah, Sundance, ça, c'est une belle référence. Hein. Ah ben c'est magnifique, ouais, oui, ouais. Absolument. Et elle m'a contactée et elle a voulu qu'on signe. Donc elle est venue passer 3 jours à la maison. Et on a beaucoup discuté et on s'est vraiment très bien entendu. Et du coup, on a signé un contrat pour qu'elle monte un film qui raconte mon tour du monde. Alors, je suis allée contacter avant un avocat pour savoir comment je peux faire pour que le scénario ne dépasse pas ce qui, pour moi, sont les bornes. Je veux dire, il y a des tas de choses que je n'ai pas envie qu'on rajoute parce que ce n'est pas moi. Et donc, je ne peux pas faire grand-chose, simplement faire confiance à la personne, vérifier. Et si je ne suis pas d'accord avec la façon dont on veut raconter mon histoire, à ce moment-là, j'interdis qu'on mette mon nom. Il n'y a plus aucune référence à moi. Ça me va. Et quand on a signé ce contrat, elle a perdu son père. Donc, ça a tout bloqué, bien sûr. Et puis, une fois qu'elle s'est remise un peu de ce deuil, elle a été enceinte, elle a eu un bébé. Donc il y a 2 ans quasiment qui se sont passés sans rien. Et là, depuis maintenant 1 mois, c'est reparti comme en 14. Il y a un Canadien qui est en rapport avec elle qui m'a demandé de rencontrer une actrice française que je ne connaissais pas du tout. J'ai déjeuné avec elle il y a 3 semaines. Vous ne m'avez toujours pas dit qui c'était ? Je ne vous le dirai pas. D'accord. Mais c'est extraordinaire parce que elle a eu... 27 ans à peu près, et elle me ressemble, elle ressemble à ce que j'étais quand j'avais 27 ans. Et elle n'a qu'une envie, c'est de faire le film. Donc c'est en train de se faire, peut-être que ça va aboutir, c'est assez drôle. Donc maintenant j'ai des échanges de mails avec les États-Unis, etc., etc. C'est étonnant. Ben, c'est une super aventure qu'on va continuer à suivre.